Parce que c'est vraiment excitant, magasiner localement. Les commerces de la région se sont tous enrôlés dans ce grand projet qui est devenu Cube Chanceux. On se souviendra l'an dernier, on a eu beaucoup de plaisir à bord de la limousine. Mais cette année, temps de récession, on y va avec quelque chose de plus solide. On est à bord d'un Cube. Merci à l'équipe de Dynamique Fibre, d'ailleurs, de nous avoir permis d'avoir accès à ce beau gros véhicule. On reçoit de la visite dans le salon du Cube Chanceux. Parce que c'est justement le but, faire des gagnants. Oui. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Sylvie Dubé. Sylvie Dubé. De quelle région, Sylvie? Sainte-Anne de Maravascoa. Oh, de la belle région de Sainte-Anne. Sylvie, tu magasines local? Oui. Tu connais bien tes magasins? Je pense que oui. Je pense que oui, ouais. On va tester ces connaissances-là. Tu travailles à quel endroit, Sylvie? Les résidences Jolet. Oh, ben merci pour tout le beau travail que vous faites là-bas. Bienvenue. Hein, parce qu'on le sait, vous travaillez dur, pas à peu près. La pandémie, ça n'a pas dû être notre turpo. Mais là, on va tenter de venir pallier à tout ça en te gâtant aujourd'hui pour ton magasinage des fêtes. C'est fini pour toi, le magasinage des fêtes? Oui, il reste sûrement des petites affaires. Fait que tous les cadeaux gagnés aujourd'hui, c'est pour toi? C'est de moi à moi? Non, bien, si ce n'est pas mal, on va séparer. Sylvie, première question. J'imagine que tu connais le restaurant Le Patrimoine à tout de moins de réputation, une réputation qui n'est plus à faire. On est situé à Saint-Jacques, on offre le service de pizza au four et les gens d'un peu partout la connaissent, cette fameuse pizza au four à bois. On te demande de me nommer deux sortes de pizza qu'ils offrent, qu'ils servent au restaurant Le Patrimoine. Je t'écoute. Ils font la pizza fondue chinoise. On en a une. Puis une pizza napolitaine. Et on en a deux. Et pour toi, ça représente 100 $ dans tes poches. Ah, merci. Déjà comme ça, vite comme ça, là. Hey. Hein? Le stress lâche. On est prêt à mordre dans la deuxième question. Pas sûr que tu veux mordre là-dessus. la bijouterie Bijoux de rêve. Tu connais? Oui. Ça te dit quelque chose? Mm. On cherche à savoir... Où est située cette bijouterie? La bijouterie Bijoux de rêve. Il me semble qu'elle est située dans le centre Brunswick. Le centre Brunswick. Sylvie, c'est 200 $ dans tes poches. Yeah. Tu pourras aller magasiner, aller te faire des belles gâteries et peut-être te trouver une bague comme ça avec un gros signe de dollar dessus. Non, on ne sait jamais. Hein. Des fois, on peut s'exciter. Là. mais... J'entends pour le collier. Là. Tu veux le collier? Hein? C'est encore plus cool. On y va avec la question numéro 3. Pixel Art Studio offre un service de photographie. Je te donne un choix de réponse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je peux te rappeler la question une autre fois, là. Pixel Art Studio offre un service de photographie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Sylvie? Ben, je dirais que c'est vrai. 300 $, Sylvie? Yeah! Ça continue de grimper. Yeah. Juste te rappeler, une autre question à 100 $ s'en vient, et après ça, on a une question ultime à 500 tomates. OK? Yeah. Donc, ça s'en vient de plus en plus intéressant pour toi. Tu sembles de plus en plus calme, en pleine possession de tes moyens. Yeah. Disons qu'avec le métier que tu fais, là, trouver ton calme, ça ne doit pas être trop dur. Non, je ne suis pas sénère. Pas sénère, hein? Allons-y avec la prochaine. Mécanique Plus. Tu connais ce commerce-là? Oui. Situé sur la rue Victoria, est dépositaire de quelle marque de motoneige? Il y en a plus d'une. Je te demande de m'en nommer... Tu fais-tu du skidou dans la vie de la motoneige? Pas vraiment. OK, OK. Bon. Là, je te demande de nommer une marque de motoneige vendue chez Mécanique Plus. Et moi, je t'écoute attentivement. Là, c'est tes élimines. Élimine les sons. Ben, je peux pas t'en nommer, mais je ne sais pas qui. C'est qu'il a dit Kawasaki, Bombardier, c'est qu'il y a toutes les sortes, mais là, spécifiquement, la sorte. Ah, mais malheureusement, Canin, on a fessé une trail où il y avait trop de neige.
Alors, Sylvie, donc, pour la quatrième question, il y a, malheureusement, c'est, on aurait pu suggérer Arctic Cat, on aurait pu suggérer Polaris ou KTM, mais ça n'a pas venu à l'idée. Juste qu'il est situé en face du Ken, mais je ne me sens pas de bicycle ou de ski. Peut-être que dans le futur, tu vas remarquer. Là, oui. Hein? Alors, pour la question ultime maintenant, Jessums, la source du sport, ça tu connais? Oui. Entreprise familiale en opération depuis combien d'années? Je te donne trois choix de réponse. 5 ans, 25 ans ou plus de 75 ans? Jessums, la source du sport, un magasin que les gens connaissent vraiment là, partout dans la région. Mais je dirais plus de 75 ans. Avec plus de 75 ans, c'est une bonne réponse à la question ultime. 500 $ de valeur avec l'équipe Jessums, la source du sport, Sylvie. Un gros bravo. 4 réponses quand même sur 5 questions. Oui. Tout à ton honneur. Tu connais ton magasinage local. On va te souhaiter de passer des très belles fêtes. Vous aussi. Est-ce que tu reçois toute la famille chez vous, tout ça à Saint-Anne? Mais on n'est pas encore seté pour qui reçoit qui, mais absolument oui. Faites ça dernière minute, décider ça? Pas mal. On travaille fort chez vous, hein? Ben voilà, ça complète une autre capsule, puis on vous rejoint dans une autre capsule dans pas très long. Tout ça dans le Cube chanceux.